Plein d'acteurs de ciné sont passés par la case télé, mais d'autres ne l'ont jamais fait, ou trop rarement. On en parle aujourd'hui dans J'aimerais voir cet acteur de film dans une série. J'aimerais beaucoup voir Tom Hanks dans une série, qu'il interprète vraiment un personnage principal ultra intéressant parce que c'est un acteur de dingue, il a joué dans des films de ouf, et on l'a jamais vraiment vu dans des séries à part en tant que guest. Donc là, en fait, qu'il interprète un personnage principal dans une série, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment bien, sachant que Tom Hanks quand même. Alain Chabat, parce qu'on n'a jamais assez d'Alain Chabat, et que je ne l'ai pas vu sur l'exercice d'une série, donc je me dis que ça ferait plus d'épisodes, donc plus d'Alain Chabat. Et si je dois réfléchir à un projet, ben j'avoue que j'ai pas fait compliqué, je me suis dit un truc entre 10% et Platane, avec un duo d'écrivains incroyables, mais totalement improbable, qui serait Éric Judor et Alexandre Astier. J'aimerais bien savoir ce que ça donne quand ils sont dans la même pièce. Et du coup, si c'est un thème un peu showbiz, bah, ça permettrait d'avoir pas mal de guest stars, type Marina Foïs, Farrugia, Edouard Baer. Enfin, ce serait... en fait, je veux le burger quiz en série, quoi. Un de mes acteurs préférés, c'est Tom Hanks. Je l'aime tellement, il est tellement bon dans ce qu'il fait. Et franchement, je le verrais super bien à la tête d'une grosse série. Ça lui irait bien. Et sinon, le petit Timothée Chalamet, hein. Mais je pense que ça ne saurait tarder. J'aimerais voir Brad Pitt comme acteur de cinéma dans une série. Mais attention, pas dans une série dramatique, j'aimerais le voir dans un rôle humoristique. On sait qu'il est très bon là-dedans, il en a fait la preuve dans Friends quand il a fait une apparition dans l'épisode de Thanksgiving. Rachel Green. God, I hate her, Ross, I hate her. Il serait parfait là-dedans, je sais pas, une série d'espionnage par exemple, une série d'espionnage où il serait drôle, ce serait génial. S'il y a un acteur de film que j'aimerais beaucoup plus voir dans les séries, c'est Alain Chabat. Déjà parce que c'est un de mes acteurs favoris, et aussi parce que je trouve qu'on ne voit pas assez le côté petit écran. Et j'avoue que je l'imagine bien jouer dans une comédie, si en plus il peut être aux commandes du scénario et être le showrunner et acteur principal, je signe tout de suite, et je pense même que ce sera ma série française préférée, donc allons-y. Peut-être Zac Efron, ça restera toujours Troy Bolton de High School Musical pour moi. Sinon Nick Robinson, que j'ai adoré dans Love, Simon, j'ai trouvé tellement touchant, tellement attachant. Ou sinon Justin Timberlake, je l'aime en tant que chanteur, en tant qu'acteur, pourquoi pas dans une série. Timothée Chalamet, que j'ai découvert dans Call Me By Your Name, et dont je trouve le jeu assez fascinant. Je pense que ça pourrait être assez bien de le voir sur un long format où il aurait vraiment le temps de s'approprier un personnage. Donc Timothée, si tu m'entends, tu sais ce qu'il te reste à faire. Viens dans l'univers de la série.